Amen. Amen. Et vous ne transpirez pas comme moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense qu'on va mieux acclamer. Alors, on va acclamer. Attendez. On va acclamer comme on acclame à la jeunesse. En tout cas, ceux qui sont à la jeunesse, ils savent comment on acclame. Donc, nous, quand on acclame, on se promène partout dans la salle. Donc, tu ne peux pas rester sur place. Allez. On peut acclamer le Seigneur. Bouge. La salle est vide. Hein? Marche partout dans la salle. Tu peux te promener. En tout cas, sors de ta chaise. Quitte ton confort. Tu acclames. Tu marches partout dans la salle. Même vous qui êtes venus pour la première fois, sentez-vous à l'aise. Vous pouvez bouger. Marcher partout dans la salle. Rassure-toi que tu as marché partout et puis tu reviens à ta place. Et pendant qu'on le fait, on continue à acclamer le Seigneur. On pousse des cris de joie et on revient à notre place. Oui, tu... non, nous continuons. Pourquoi on a arrêté d'acclamer? Continuons à acclamer. Alléluia. Ok, je comprends ceux qui sont venus pour la première fois. Alors, je vous invite à ne pas manquer demain et à inviter les bannis. Alors, quand vous les inviterez, vous leur direz ceci. Là-bas, quand on acclame, on bouge partout dans la salle. Comme ça, ils sont avertis, ils sont avisés. Et peut-être qu'à la fin du culte, on va réessayer. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, vous aurez plus de confiance pour acclamer, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir, s'il vous plaît, à la présence de Dieu. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue ce soir à la maison du Seigneur. Nous sommes la jeunesse de l'église de Cèpe Résurrection, JCEP, en sigle. Et nous sommes là en la joie de vous rencontrer dans ce séminaire qui commence aujourd'hui et qui va prendre fin samedi. Et le thème du séminaire, c'est ce que vous le voyez écrit en grand, point pour conquérir. Je crois que tous ici, nous avons des choses à conquérir dans la vie, dans tous les aspects. Je pense à la fin de ce séminaire, quelqu'un aura des bonnes raisons d'aller conquérir. Amen. Est-ce que quelqu'un croit? J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui crois que je vais conquérir, quoi. Et vous, vous n'allez pas conquérir. Est-ce que quelqu'un croit avec moi qu'à la fin du séminaire, il sera à mesure de conquérir? Attendez, je vais vous expliquer. Vous savez, les choses spirituelles, c'est comme ça que ça se passe. Les choses spirituelles se communiquent par la parole. Donc, tout dépend de ta foi. Si tu crois, tu vois. Tu ne crois pas, tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un croit qu'à la fin de ce séminaire, il va conquérir des choses? Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et sans plus tarder, nous allons avoir une soirée spéciale. Avant d'écouter la prédication de ce soir, j'aimerais inviter un jeune frère qui va nous apporter une exhortation de quelques minutes. 10 à 15 minutes. Et puis, on va aller voir, c'est un bon frère et il va nous bénir. Et après, nous allons écouter. Est-ce qu'on est content de recevoir ce frère-là, n'est-ce pas? Amen. Alors, je vais inviter la famille. Merci. Alléluia. Bonsoir à tous. Et bienvenue à ceux qui sont nouveaux ici. Comme le frère Sylvain a dit, je suis le frère Pami. Et je vais apporter juste une petite exhortation de 15 minutes. Et avant toute chose, j'aimerais qu'on incline juste nos têtes et qu'on prie pour remettre cette parole entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et prions. Merci encore, Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci encore pour la grâce que tu nous permets. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi, de permettre que ce moment ait lieu. Merci, Papa. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi, je te remets tous ces instants entre tes mains, Père éternel. Je te laisse le contrôle de ce moment. Je te laisse le contrôle de ce moment. Oh, Père éternel, je n'ai pas la capacité d'apporter ta parole. Je n'ai pas la force d'apporter ta parole. Oh, mais Père éternel, ce n'est que par toi que je réussirai. Ce n'est que par toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, que cela est possible. Voilà pourquoi je te rends grâce, Père éternel, pour les cœurs qui écouteront cette parole. Oh, Père éternel, que ta parole a... Porte, Père éternel, la bonne semence dans tous les cœurs qui sont ici présents. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, par ta parole, touche un cœur, transforme un cœur, guéris un cœur, délivre un cœur, libère un cœur, éternel, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles dans le livre de... Acte 19, on va lire deux textes. Le premier texte, c'est Acte 19,
à partir du verset 13. Vous y êtes ? Pas encore ? Donc, je vais lire dans ma version. La Bible dit, quelques juifs qui étaient allés d'un endroit à l'autre pour chasser les esprits mauvais hors des malades essayèrent aussi d'utiliser le nom du Seigneur Jésus à cet effet. Ils disaient aux esprits mauvais, « Je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus que Paul prêche. » C'est ainsi qu'agissaient les sept fils d'un grand prêtre juif nommé Sévas. Mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme possédé de l'esprit mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort que tous. Il les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de sa maison nus et couverts de blessures. Amen. On va lire un deuxième texte dans le livre de Nombre 13, à partir du verset 30. Nombre chapitre 13, à partir du verset 30. La Bible dit, « Caleb fit taire ceux qui se mettaient à critiquer Moïse, puis s'écria, « Allons-y, nous nous emparerons de ce pays, nous en sommes capables. » Mais les compagnons de Caleb déclarèrent, « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous. » Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils disaient, « Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir tous ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous avons vus sont tous de grande taille. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. Et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. » Amen. Donc, comme le frère Sylvain l'a dit, notre grand thème, c'est « Oint pour conquérir ». Mais ce soir, moi, je parlerai que des armes à connaître, à posséder avant d'aller conquérir. Tout d'abord, c'est quoi conquérir ? On entend par-ci, par-là, conquérir. Conquérir vient du latin conquérir, qui veut dire chercher intensément à obtenir quelque chose. Et le dictionnaire traduit, définit conquérir comme acquérir par les armes, acquérir par l'effort. Alors, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que nous, les jeunes, nous devons conquérir ? Et il m'a dit, la jeunesse en Christ doit chercher à conquérir les cœurs de la jeunesse qui ne sont pas en Christ. Nous devons chercher à conquérir les cœurs de la jeunesse qui ne sont pas en Christ au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Amen. Ensuite, je me suis demandé alors, maintenant que je sais qu'est-ce que je dois conquérir, maintenant que je sais, j'ai mon objectif, comment faire pour conquérir cela ? Et il m'a dit, tu auras besoin de 4 armes à posséder. Tu dois posséder 4 armes. La première arme, c'est tout simplement la connaissance de qui tu es. Pourquoi ? Parce que celui qui ne se connaît pas, il ne peut pas aller conquérir. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas aller conquérir comment ? Tu vas manquer d'assurance. Alors que celui qui se connaît, il connaîtra son potentiel, il connaîtra ses limites. Il va travailler pour veiller à boucher ses limites. Amen. Et celui qui se connaît, il saura quel est son rôle dans la conquête. Il saura quelle est sa place, où il va conquérir, où il va se placer pour pouvoir vaincre l'ennemi. Mais si tu ne connais pas ton rôle, si tu ne sais pas qui tu es, où tu vas te placer, tu vas bouleverser les autres, tu vas toucher les autres et c'est pas bon. Amen. Et comme on a lu, on a vu que il y a des hommes dans la Bible qui ont essayé d'aller conquérir sans savoir qui ils étaient. Et j'aime la question, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime cette question. J'aime la question que l'esprit malin les a demandé. Il les a dit, mais moi je connais Jésus. Moi je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous ?
Aujourd'hui, on doit tous se poser la question, qui je suis? Qui je suis pour aller prendre la part de l'ennemi? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, moi à la place des hommes, aujourd'hui, je me connais. Aujourd'hui, je sais qui je suis. À la place, je n'aurais pas répondu à la question du diable. Je l'aurais répondu par une question. J'allais le demander, mais j'allais le demander avant de me poser la question. Dis-moi d'abord où est ta tête. Après, je te répondrai. Parce que seuls ceux qui sont en Christ connaissent le mystère de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il peut poser cette question. Amen. Donc, après cela, l'Esprit m'a dit, comment, beaucoup de gens ici vont se poser la question, comment savoir qui nous sommes? Comment? Et c'est tout simplement l'Esprit de Dieu qui révèle en nous ce que nous sommes réellement. La Bible dit dans Romains 8, le verset 15, que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous permet de crier « Abba, Père ». Et on voit dans la Bible que la Bible dit « Le ciel s'est ouvert ». Le ciel s'est ouvert, une voix se fit entendre. Disons « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma force, toute mon affection ». Donc c'est Dieu qui a révélé qui était Jésus. Et même depuis Genèse, on voit que c'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui a dit à Abraham, je ferai de toi père des nations. C'est Dieu qui a dit à Moïse, je ferai de toi. C'est Dieu qui a dit à toutes ces personnes, je ferai de toi. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux connaître qui tu es réellement, va dans la présence. Amen. Ensuite, la deuxième arme à posséder, c'est la deuxième arme plutôt à connaître et à avoir, oui, c'est tout simplement savoir qu'est-ce qu'on a. Après avoir connu, après avoir appris ce que je suis, je dois savoir ce que j'ai pour aller conquérir. Si je ne sais pas ce que je possède, je ne peux pas aller conquérir. Je ne peux pas, impossible. Amen. Donc, déjà, la Bible dit que chacun de nous, nous avons reçu quelque chose du Seigneur. Chacun de nous. Il suffit juste que nous prenions conscience de ce que nous avons pour pouvoir aller conquérir. Parce que tu pourras aller conquérir, tu as une armure, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas conscience que tu as cette armure. Amen. Donc, lorsque ta conscience, dès que tu sais que tu as reçu quelque chose, la deuxième de choses qu'il faut faire, c'est l'exercer. L'exercer. Le don que tu as reçu, exerce-le. Dieu, il mettra toujours, toujours des situations afin que tu exerces ton don. Si tu as reçu le don de guérison, il mettra des malades devant toi. Il va commencer par mettre une personne juste avec la fièvre. Tu dois guérir comme David devant le lion. Ensuite, il mettra une personne paralytique. Tu dois guérir comme David devant l'ours. Ensuite, il t'enverra à Golgotha. Il t'enverra plutôt vaincre Goliath. C'est-à-dire ressusciter un mort. Mais tout ça, il y a des dimensions. Tu dois travailler ça. Tu dois travailler encore, encore, encore. Si tu veux le faire, tu dois le travailler. Dès l'instant où tu es conscient de cela, commence à travailler. Commence à mettre en pratique. Et ça ira. Amen. Et la troisième arme à posséder, c'est tout simplement la parole qui sort de notre bouche. Amen. On a vu dans le texte de Nombre 13, à partir du verset 30, que Dieu, au fait, il avait envoyé 12 personnes pour aller explorer le pays de Canaan. Mais 10 sont revenus, ils ont douté, ils ont dit, c'est pas possible d'aller conquérir ce territoire. Deux, seulement deux ont cru en la parole de Dieu. Amen. Mais
qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les 10 qui sont revenus, ils ne se connaissaient pas. Pourquoi? Ils se sont comparés à des fourmis. Vous connaissez, est-ce que vous connaissez la force d'une fourmi? La fourmi est l'un des seuls animaux sur Terre qui peut soulever plus de 1000 fois sa masse. La fourmi est l'un des seuls animaux sur Terre qui ne marche jamais seul. Jamais tu vas voir une souris, une fourmi passer et pas une deuxième, et pas une troisième, et pas une quatrième. Et on sait tous que l'union fait la force. C'est ensemble que nous pouvons conquérir. Mais eux, ils avaient oublié ça. Eux, ils n'avaient pas conscience de cela. Et regardez la différence avec Caleb. Caleb, il dit... Nous en sommes capables. Vous savez pourquoi? Parce que les 10 autres, ils ont cru en ce qu'ils ont vu. Tandis que Caleb a cru en la parole de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait déclarer. Il pouvait déclarer. Nous en sommes capables. Jeunesse de 7, nous en sommes capables. Nous sommes capables d'aller conquérir. Nous sommes capables de changer les cœurs. Nous sommes capables de changer les cœurs. Nous sommes capables de changer les cœurs. En le déclarant, Caleb en fait ramenait à l'existence les choses qui n'existaient pas. En le déclarant, Caleb ramenait la vérité dans la réalité. Amen. Donc, croyons en ce que Dieu dit. Si Dieu dit que si Dieu nous envoie conquérir un territoire, nous devons croire. Nous devons croire en cette parole. Nous ne devons pas croire en ce que nous verrons. Parce que ce que nous verrons ne sera jamais. En gros, jamais. Je vous le confirme, je vous l'affirme, j'ai vécu ça. Jamais conforme à ce qu'il dit. Jamais. Mais crois en sa parole et tu verras. Amen. La troisième arme, enfin, la quatrième, excusez-moi. La quatrième arme à posséder, c'est être oint. Être oint. Pourquoi? Nous sommes tous imparfaits. Et nous avons besoin de la puissance parfaite de Dieu pour pouvoir réaliser le plan parfait de Dieu. Si tu pars conquérir sans l'onction de Dieu, mais tu n'y arriveras jamais. Jamais, parce que tu vas aller conquérir avec l'imparfait. Donc tu rendras le plan de Dieu imparfait. Donc tu as besoin de la puissance parfaite de Dieu pour aller conquérir et réaliser le plan parfait de Dieu. On n'est pas, jeunesse, on n'est pas oint pour draguer les filles. Non. Jeune fille, on n'est pas, vous n'êtes pas oint pour attirer les hommes. Jésus dira, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir un cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés. C'est pour ça qu'on est oint. My God. C'est pour ça qu'on est oint. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais juste finir par cette phrase jusqu'à présent qui me marque, que le Saint-Esprit m'a dit. Ça me marque encore. Il m'a dit, lorsque l'Éternel nous envoie conquérir, la difficulté ne se trouve pas dans la conquête en elle-même. La difficulté se trouve dans la préparation de la conquête. Il m'a donné un exemple. Il m'a montré en fait dans la Bible. Le peuple d'Israël a souffert dans le désert. Ils ont souffert. Il y a des gens qui ont abandonné. Il y a des gens qui sont morts. Ils ont tellement souffert. Mais quand ils sont arrivés devant Jéricho, ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas levé les armes. Non. Ils ont acclamé. Ils ont chanté. Ils ont tourné autour. Et c'est Dieu qui a combattu pour eux. C'est Dieu qui s'est levé, qui a combattu pour eux.
jeunesse, Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. Je crois que tous nous avons compris ce message. Désolé, mais je crois que notre frère, il a donné le message de tout le séminaire. Et je bénis vraiment Dieu. Je te bénisse, famille. Est-ce qu'on peut encourager notre frère? C'était une exhortation très profonde. Ceux qui se sont contentés de regarder Pami ont tout raté. Mais ceux qui se sont contentés de recevoir ce qui sortait de Pami, ceux-là ont reçu quelque chose. Je ne vais pas m'éterniser, je vais inviter le pasteur Jojo, il va nous amener dans un temps de prédication. Je ne sais pas ce qu'il va prêcher déjà, parce que je vois que le Seigneur le conduise sous acclamation. Savoir, vous avez acclamé qui? Moi ou Jésus? Alléluia! Amen. Je disais alléluia! Amen. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous ce soir? Est-ce qu'il y a la jeunesse parmi nous ce soir? Je ne sens pas ton cri. J'ai l'impression que c'est trop faible. Je parle aux vieux ou je parle à la jeunesse. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce soir? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce soir? Rebo shakamandodo seta. Mazupro sevokanta. Alléluia. Écoutez, nous sommes dans une génération tellement puissante que parfois nous ne nous rendons pas compte. Nous sommes dans une génération que j'appelle une génération davidique. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est une génération qui se cache. Je ne sais pas si tu comprends. Je disais, c'est une génération qui se... Mais lorsque Dieu revêt cette génération, des grandes choses se passent. Bravo, Chandara, baba, 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 baba. J'aimerais que tu dises à ton voisin, à partir de ce soir, quelque chose va commencer. À partir de ce soir, quelque chose va commencer. Mazuka tarababa baba baba. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse parce que tu as tout dit. Et je ne sais pas ce que je vais dire. Mais la Bible déclare, comme tu l'as dit, l'Esprit de Dieu m'a. Parce que l'Esprit de Dieu m'a. Donc il m'a rendu capable de parler. Hey, est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'Esprit de Dieu m'a, hein? L'Esprit de Dieu m'a, hein? L'Esprit de Dieu m'a, hein? Montons ensemble maintenant, bro. Sheba kambara baba baba baba. Rosso kaba sabra daba shaka. Ebo soko toko dobo. Reto sabara baba baba baba. Yemo shekanda. Rosso katabara bobo stivo. Mazo koto. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Je sens l'onction de Dieu dans cette salle. Je sens l'onction de Dieu dans cette salle. Il y a une pluie qui est en train de descendre. Rebo sheka bobo bobo. Rebo santara baka tabo bobo sebro. Mazukote rebo zefra tabasata. Amakoto koto. Mazukote rebe be 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 be. Amazo presa bakata. Rebo koto rebo bobo bobo bobo. Dans cette génération, Dieu est en train de lever une génération puissante. Dieu est en train de soulever une génération puissante. Une génération puissante. Une génération puissante. Une génération puissante. Et tu fais partie de cette génération. Ramakata bakata baba baba baba. Baba 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 ba
Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette salle. J'aimerais que tu sois vraiment sensible. J'aimerais que tu sois vraiment sensible. Et j'insiste sur le mot sensible. Sois vraiment sensible. Dieu ne peut pas réunir un peuple sans rien faire. À chaque fois que Dieu parle, à chaque fois que Dieu donne un message, c'est pour un but. Et je pense que ce soir, quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. Mais j'aimerais que tu sois sensible. Alors sensible, sensible, sensible. Mazuprana santarabakata. Rimoko tarabababa. Rosso kata. Commence à monter en esprit. Masumbranda sakarabababa. Losso branda masata. Là-bas, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient. Je disais ça vient. Je disais ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient. Robo Sheka. Masupro sur mon coteau. Masepo Sheka Mamo. Nous sommes là dans ma chaka. Nous sommes pris dans ma chaka. Baba. Il y a une onction différente ce soir. Il y a une onction spéciale ce soir. Il y a une onction prophétique ce soir. Une onction prophétique ce soir. Une onction prophétique ce soir. Je disais à une onction prophétique ce soir. Masoko. Nivo Saka. Masoplo de mon chaka. Avec l'Esprit de Dieu. Je dis, je te laisse le temps de communier avec l'Esprit. Alléluia. Je te laisse le temps de communier avec l'Esprit de Dieu. La massa caraba. Je viens par ta grâce libérer la terre.
touche. Alléluia. Touche mon âme ce soir. Le Saint-Esprit est en train de baptiser. Ce soir, le Saint-Esprit est en train de baptiser. Il est en train de baptiser. Certaines personnes qui ne parlaient pas en langue. Ce soir, je vous dis, certaines personnes vont commencer à parler en langue. Je dis, certaines personnes vont commencer à parler en langue. Vos langues vont se délier ce soir. Vos langues vont se délier ce soir. Les langues vont se délier ce soir. Les langues vont se délier ce soir. Amasaka Mandebro. Nous sommes dans l'atmosphère de gloire. Nous sommes dans l'atmosphère de gloire. Koso kota brata basa. Nimbro stava kata. Rabasata. Il est vrai qu'on se connaît. C'est la première fois que tu me vois. Pendant que j'étais en train de prier, je me dis clairement et nettement. Tu vas les servir. Tu sais pourquoi? Parce que les choses de Dieu, c'est pas trop ton truc. Et Dieu va faire de toi une personne qui va attirer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, tu es venu ici. C'est parce que Dieu t'a attiré ici. Dieu te connaît parfaitement. Alors parfaitement. Garde en mémoire cette journée. Écris-les quelque part. Et le jour où Dieu va te lever, souviens-toi qu'un homme de Dieu m'avait parlé. Que Dieu te bénisse. Mazubradava Santarababa. On peut s'asseoir dans cette atmosphère. Dans cet esprit de prière, de gloire. Merci. Pouvons-nous asseoir? C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites ce soir. C'est compliqué. Il y a des grâces cachées, des talents cachés, des dons cachés. Alléluia. Mais quand Dieu décide de l'exposer, nous sommes waouh. Alors, comme nous l'avons dit, ce soir, c'est une soirée exceptionnelle, un séminaire exceptionnel, et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Alléluia. Alors je me présente, je m'appelle Dudu, le pasteur Dudu. Je suis marié à une sœur qui s'appelle Mati. Avec qui, par la grâce de Dieu, nous avons deux enfants, Myron et Melvin Elion, par la grâce du Seigneur. Et je suis fils spirituel de l'apôtre Douglas qui est présent ici. Un homme que je respecte beaucoup, un homme que j'aime beaucoup. Bon, je ne le dis pas souvent, mais c'est un homme que j'aime beaucoup. Alors, vraiment beaucoup. Et il a pas mal fait des choses dans ma vie et continue à faire par la grâce du Seigneur. Et j'aimerais encore lui dire merci pour l'opportunité, pour la confiance qu'il nous donne. Ce n'est pas évident de donner la chair. Hein? Parce que, comme je dis souvent, quand on construit une maison, ça prend du temps, n'est-ce pas? Mais pour détruire cette maison, c'est en quelques minutes. Donc tout ce qu'on peut bâtir ici, je peux venir et détruire ça en quelques minutes. Vous voyez un peu? Donc ce n'est pas une chose évidente d'apporter le message de Dieu et surtout de laisser la chair à une personne. Alléluia. Donc lorsqu'on nous laisse la chair, c'est une marque de confiance. Alléluia. Donc homme de Dieu, que Dieu te bénisse encore. Ok. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, je vais parler de la jeunesse. Mais différemment. Alléluia. J'aimerais aborder ça différemment. C'est-à-dire, nous avons un grand thème qui est loin pour conquérir. Alléluia. Et nous avons un grand sujet qu'on a donné
toutes les personnes qui sont passées ici et qui passeront d'ailleurs ici. C'est la référence est Luc 4, 18 à 20. L'Esprit de Dieu m'a oint, on l'a dit tout à l'heure. Alléluia. Ça, c'est le grand sujet que nous devons normalement aborder. Mais lorsque j'étais en train de prier, Dieu m'a conduit autrement. Dieu m'a conduit différemment. En me basant toujours sur ces versets. Et ce soir, j'aimerais nous parler d'une génération mise à part. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, génération mise à part? Avec beaucoup de conviction, génération mise à part. Alors, nous parlons du fait d'être ouin, de moi, ouin et conquérir. Alors, lorsque nous allons dans les dictionnaires, je peux donner comme définition, le fait d'être ouin, c'est le fait d'être choisi, lorsque Dieu nous choisit, et lorsque Dieu nous consacre, ou Dieu nous met à part. Alléluia. Et ça vient du mot oindre, ou encore, on ne peut pas parler du mot oindre sans toucher le mot onction. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Nous ne pouvons pas parler du mot oindre sans toucher le mot onction. Parce que les deux vont ensemble. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne pour faire son travail. Pourquoi? Parce que si Dieu ne donne pas l'onction à la personne qui l'appelle, cette personne ne pourra pas apporter ce dont Dieu attend de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une puissance et une capacité, comme je le disais, surnaturelle. Une capacité qui n'est pas humaine. Mais c'est une capacité qui vient de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui donne cette capacité. Ce n'est pas un homme. Même lorsque les hommes vous appellent, les hommes ne peuvent pas vous donner cette capacité-là que Dieu donne. Parce que l'homme est limité. Alléluia. Et nous parlons du mot également conquête, donc conquérir. Et pourquoi le mot conquérir? Et qu'est-ce que cela veut dire? Le frère Pami l'a si bien dit ici. Et avec la définition que j'ai, conquérir, c'est maîtriser, dominer sur quelque chose ou encore s'emparer d'une chose. Alléluia. Ce qui est fort dans ces choses, c'est que tu ne peux pas conquérir sans être onctionné. Tu ne peux pas aller à la conquête si Dieu ne t'a pas choisi. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Tu ne peux pas aller à la conquête si Dieu ne t'a pas choisi. Donc, pour conquérir quelque chose, il te faut un pouvoir, il te faut une grâce, il te faut un don, il te faut un talent. Quelqu'un me comprend ou pas? Il te faut toutes ces choses. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas ces choses en toi, tu seras faible. Tu seras faible, alors très faible. Toutes les personnes qui ont réussi à avoir quelque chose, c'est parce qu'en eux se cachait soit un don, soit un talent, soit une grâce. Alléluia. Je suis en train de parler de la génération qui se cache, une génération mise à part. Et on va y arriver. Alors, mon sous-thème, c'est la génération de David. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la génération de David? Ok, nous allons aller dans la Bible. Et je vais inviter mon frère Sylvain qui va faire la lecture avec moi. On va beaucoup lire, mais bon, il nous manque vraiment le temps de tout lire. Allons-y dans 1 Samuel. Samuel 16, à partir du premier verset. Je lis dans le nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléméite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi
une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les cieux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses sept fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela tous ses fils, tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoie chercher. Il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le serviteur de Saül lui dit, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléméite, qui sait jouer. Et c'est un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit une âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit des dieux était sur Saül, David prenait de la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Amen. Parole du salut du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Gloire à Dieu. Alors là, nous sommes dans un contexte où, lorsque nous lisons cette parole, vous connaissez un peu l'histoire. Si je dois essayer en quelques mots, essayer un peu de nous faire comprendre le contexte de cette histoire, c'est que en Israël, à un moment donné, Israël avait besoin d'un roi. Alléluia. Lorsque vous lisez 1 Samuel 8, à partir du premier verset, vous allez vous rendre compte que Samuel était âgé. Donc il avait pris de l'âge. Et le peuple va se présenter devant Samuel et va dire à Samuel, nous voulons un roi. Nous voulons être gouvernés, être conduits par un roi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui conduisait Israël. Dieu était le roi d'Israël et Dieu conduisait Israël. Mais à un moment, Israël va se rebeller contre Dieu. Il va dire non, nous voulons un roi. Une personne qui va nous conduire, une personne qui va nous guider, une personne qui va être au-dessus de nous. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va s'entretenir avec Samuel. Il va dire à Samuel, écoute Samuel, comme tu entends le peuple qui se lève et qui veut un roi, donne à ce peuple un roi. Et Samuel va s'entretenir avec son peuple, avec le peuple de Dieu. Il va parler avec le peuple de Dieu. Mais Dieu va dire une chose à Samuel.
Il dira, écoute, par contre, j'aimerais te dire une chose. Lorsque ce peuple viendra vers toi, tu vas leur dire une chose. C'est que le roi qui viendra pour diriger leur vie, c'est un roi qui va apporter la guerre, qui va arriver avec un esprit de guerre. Ce roi-là va assujettir et beaucoup de personnes vont mourir par rapport à ces guerres. Et Samuel va se présenter devant Israël, donc le peuple de Dieu, et va leur dire ces choses. Il va leur dire, écoutez, Dieu m'a dit une chose. Ce roi que vous voulez va emmener la guerre. Beaucoup de choses vont se faire. Des enfants vont mourir. Des grandes personnes vont mourir. Beaucoup de choses vont se faire à cause de ce roi. Et le peuple d'Israël va répondre à Samuel. Ce n'est pas notre problème. Même si nous mourons devant ce roi, nous voulons simplement avoir un roi pour nous gouverner. Et Dieu va dire à Samuel, écoute, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui suis en train de rejeter. Alors donne un roi à ce peuple. Et qu'est-ce qui va se faire? Samuel va partir et à la rencontre, il va trouver une personne qu'on appelle Saül. Alléluia. Il va rencontrer Saül. À partir de là, il va choisir Saül, il va oindre Saül et Saül va devenir roi d'Israël. Mais une chose m'a interpellé. C'est que cette demande ne venait pas de Dieu. Cette demande venait des hommes. J'aimerais juste nous dire une chose, jeunesse. Lorsque nous désirons une chose, nous devons nous poser d'abord la question à savoir, est-ce que ce désir vient de Dieu ou ce désir vient de ma chair? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ce désir vient de mon cœur, enfin de ma chair, ou ce désir vient de Dieu? Pourquoi? Parce que si un désir ne vient pas de Dieu, ça apportera des conséquences dans ta vie. Et des conséquences négatives. Alléluia. Ça apportera des conséquences négatives dans ta vie. Alors lorsque le désir de Dieu vient dans ton cœur, ça apportera des conséquences positives. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Israël va rejeter Dieu et va demander un roi. C'est le désir de leur cœur. Et Dieu va leur donner un roi. Mais ce roi que Dieu va leur donner, ce n'est pas le roi que Dieu désirait leur donner. Ce n'était pas le désir du cœur de Dieu, mais c'était le désir du cœur d'un peuple. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous lisez, nous sommes toujours dans 1 Samuel, vous allez voir le parcours de Saül. Saül va commencer à combattre, il y aura beaucoup de guerres, beaucoup de personnes vont mourir. Et à un moment, Dieu va lui demander une chose. Il va lui dire, tu iras dans une ville et tu vas tuer toutes les personnes qui sont dans cette ville. Voire même les bêtes. Tu vas tout enlever, tu vas tout détruire. Tu ne laisseras aucune personne vivante. Et qu'est-ce qui va se passer? Saül va aller en guerre. Il va tuer certaines personnes, mais il va garder certains bêtes. Il ne va pas tous les tuer. Il ne va pas tuer tout le monde. Il va prendre en otage certaines personnes et il va partir avec eux. Alors que Dieu lui avait dit, lorsque tu arriveras dans cette nation, l'ordre que je te donne, c'est de tout enlever, c'est de tout détruire. Mais lui ne va pas le faire. Donc là, on entend par là la désobéissance. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, nous devons faire exactement ce que Dieu nous dit. Alléluia. Tu ne dois pas trancher. Tu ne dois pas rajouter. Tu dois faire exactement ce que Dieu te dit. Alléluia. Et par là, Dieu va rejeter Saül. Et quand Dieu rejette une personne, j'aimerais nous dire certaines choses. Quand Dieu rejette une personne, automatiquement la main de Dieu n'est plus sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu rejette une personne, automatiquement la main de Dieu s'enlève de sur ta tête. La main de Dieu ne sera plus sur toi. C'est-à-dire, par là, à partir de là, tu deviens sans protection. C'est-à-dire, tu n'es plus protégé. Quand Dieu a sa main sur toi, tu es protégé. Mais lorsque la main de Dieu s'enlève de ta vie, tu n'es plus protégé. Et là, Dieu va rejeter Saül. Donc, Saül n'a plus de protection. Alléluia. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Le plan de Dieu, c'est que il savait au plus profond de lui qu'il avait déjà choisi une personne.
Les choses qui nous arrivent dans la vie, sincèrement, ce ne sont pas des surprises pour Dieu. Aujourd'hui, tu te retrouves ici. Frère, sœur, j'aimerais te dire, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que Dieu savait qu'un jour, tu allais te retrouver ici. Dieu connaissait David avant que David soit. Dieu savait qu'en réalité, la personne que Israël avait besoin, ce n'était pas Saül, mais c'était David. Et c'est là où j'entre dans ma prédication. De ce que je disais tout à l'heure, une génération mise à part. Où était David? Pendant ce temps, où était David? David était bien quelque part. Alléluia. David était bien quelque part. Mais la circonstance était que on ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il était occupé à faire le travail de son père, c'est-à-dire à faire le travail de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une génération où beaucoup sont pressés. Dans une génération où les gens veulent s'auto-proclamer pasteur, apôtre. Une génération où les gens, moi j'appelle ça une génération micro-ondes. Une génération trop pressée. Vous savez, lorsque vous allez à Carrefour, vous allez à Lidl, vous avez faim, mais vous n'avez pas le temps de préparer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez du surgelé. Vous allez directement vous passer au micro-ondes. Quelques minutes suffit. Et nous sommes dans cette génération. Une génération micro-ondes. Où les gens sont pressés. Alléluia. Où était David? David était quelque part, mais caché. Il était en train de se préparer. Écoutez, avant que Dieu t'appelle, avant que Dieu vienne à se présenter à toi, il va te laisser le temps de la préparation. Alléluia. Avant que Dieu se présente à toi, je disais, il te laissera un temps de préparation. David était en train de se préparer, mais lui-même en réalité ne savait pas pourquoi il s'est préparé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois tu sens dans ton cœur, tu dois prendre 3 jours de jeûne, 2 jours de jeûne, mais tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce que Dieu est en train de te préparer. Alléluia. Parfois tu sens que tu dois t'enfermer. Parfois tu sens que tu ne dois pas te rapprocher de certaines personnes. Parfois tu sens dans ton cœur, tu dois commencer à préparer des messages. Alléluia. Les hommes ne peuvent pas te voir. Pourquoi? Parce que tu es caché. Je parle de la génération de David. C'est une génération qui se cache au départ. Une génération qui se prépare. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette génération a un défi. Je disais, cette génération a un... Comment tu peux relever le défi si tu ne te prépares pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Saül est rejeté. Dieu va dire à Samuel, écoute, tu iras dans telle maison. Et à cause de cette famille, tu verras une personne dans cette famille que j'ai choisie, moi Dieu. Et Samuel va aller dans cette famille. Et il va voir le père et lui posera la question, où sont tes enfants, tes fils? Et le père va présenter tous ses enfants, entre guillemets. À tel point où le père même oublie qu'il avait un enfant, un autre enfant. Imaginez-vous, dans votre famille, vous êtes 4. Mais on vient chez vous, on demande où sont vos enfants. On sort que 3. Et on vous oublie. Imaginez-vous, comment cela peut arriver? Un papa, une maman, comment tu peux oublier que tu as 4 ou 3 enfants? Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Non, entre nous, dites-moi un peu,
Comment tu peux oublier que tu es un frère ou une sœur? Tu ne peux pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne peux pas. Mais le Père va oublier qu'il a un dernier. Écoutez, dans le plan de Dieu, parfois on peut t'oublier. Et Dieu parfois fait exprès qu'on t'oublie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on t'oublie, en réalité, tu te prépares encore pour une dernière mission. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. J'ai l'impression que je parle aux vieux ce soir. J'ai l'impression que je parle aux vieux ce soir. Je parle aux vieux, je parle aux jeunes ce soir. Je disais, hein, parfois on peut t'oublier. Mais Dieu fait exprès qu'on t'oublie. Parce qu'il sait que lorsqu'on va t'oublier, tu seras la dernière personne qu'on va appeler. Parce que lorsque toi tu vas arriver, tout le monde va te regarder. Tu m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Parce que lorsque si tu viens comme tout le monde, dis-moi qui va te regarder. Qui va te regarder? Oh, mais lorsque tu viens en dernier, tout le monde te regarde. Et j'aimerais dire à une personne ce soir, nous sommes une génération qui se cache. Une génération qu'on peut oublier pendant un temps. Mais cette génération est en train d'arriver. Je disais, cette génération est en train d'arriver. Cette génération est en train de se lever. Cette génération vient à petits pas. Come on, est-ce que quelqu'un peut dire come on avec moi? Aide-moi à prêcher, aide-moi à prêcher. Cette génération arrive à petits pas. Et parfois on ne peut même pas sentir tes pas. T'arrives comme ça. Ah, my God, my God, my God. Mais j'aimerais dire quelque chose. Cette génération fait très mal. Yeah, amen. Elle fait très mal. Parce que cette génération, comme je le disais, a un défi à relever. Lorsque David arrive, ses frères plutôt arrivent, le prophète même a été bluffé de voir un frère de David qui était costaud, bien musclé. Et va dire, mais sûrement que c'est lui. Dans cette génération, certaines personnes peuvent arriver avec des paroles, mais ce n'est pas de Dieu. Certaines personnes peuvent arriver avec des prophéties, mais ce n'est pas de Dieu. Certaines personnes peuvent arriver avec des enseignements, mais ce n'est pas de Dieu. Ne vous fiez pas à la parole, mais l'esprit. Yeah. Oh, je parle à la jeunesse ou pas? Je disais, certaines personnes peuvent arriver et impressionner les gens. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur. Si ton cœur est pur, Dieu t'utilisera. Mais si ton cœur est rempli d'orgueil, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Alléluia. Alors Dieu va dire à Samuel, ce n'est pas lui. Ne te fie pas à l'apparence. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Et alors Samuel va dire, attends, n'a-t-il pas eu un autre enfant? Tu n'as pas un autre enfant? Il dit, si, j'ai un autre enfant, mais c'est un berger. C'est un berger. Alors que les autres, c'était des guerriers. Et il dit, c'est un berger. À tel point que lui-même, il minimise son fils. C'est un berger. Écoutez, tu peux regarder une personne. Son apparence peut faire que... Est-ce que lui, on peut vraiment lui donner la parole? Lui là, j'ai l'impression qu'il n'arrive même pas à prier une heure. Frère, ce n'est pas parce qu'il ne prie pas une heure que ce n'est pas un homme de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on va aller chercher le berger, Samuel va dire, mais c'est lui. C'est lui. Et qu'est-ce qui va se passer? On va oindre David. Lorsqu'on va oindre David, l'Esprit de Dieu va être sur David. J'aimerais juste nous rappeler une chose. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu ou l'onction n'était posée que sur trois catégories de personnes.
c'est-à-dire les sacrificateurs, les prophètes et les rois. À part ces trois catégories, les autres n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Alors là, on va oindre notre frère David. Écoutez, Dieu ne l'a pas oint en vain. Dieu ne l'a pas oint juste pour le oindre. Dieu l'a oint pour conquérir. N'est-ce pas que c'est le thème? Oint pour? Donc Dieu a oint David pour? Et qu'est-ce qui va se passer? David étant oint, il ne savait même pas qu'un jour il allait rencontrer le roi Saül. Oh, attendez. Là, on ne parle même pas de la guerre. Mais la Bible déclare, en tout cas ma Bible hein, me dit, que lorsque l'Esprit de Dieu est sorti de Saül, qu'est-ce qui va se passer? Saül se sentait mal. C'est-à-dire le mauvais esprit était en lui. Et il n'arrivait pas à dormir quelquefois. Il se sentait mal. Et il avait besoin d'une personne qui pouvait chanter, qui pouvait le dorloter, le bercer. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parmi toutes les personnes qui sont en Israël, on ne va pas trouver une autre personne que David. Oh, j'aimerais nous dire une chose. Quand Dieu te oint, la première chose que Dieu fait, il te montre ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle le clin d'œil. Parce qu'en réalité, David devait être roi, il devait diriger Israël. Mais avant d'aller diriger Israël, il devait d'abord entrer dans la maison d'Israël. C'est-à-dire, il devait rentrer dans le palais royal. Mais il ne gouvernait pas encore. J'aimerais dire quelque chose à une personne ici. Dans ta génération, dans cette génération, Dieu t'a oint. Mais avant de te lever, il va d'abord te faire ce qu'on appelle un coup d'œil. Il va te montrer d'abord quelque chose que tu n'as jamais réalisé dans ta vie. Les choses que tu es en train de rêver, quand Dieu va bien se saisir de toi, oh, my God, quand il va se saisir de toi comme il se doit, il te fera pénétrer dans une maison où toi-même tu ne pourras même pas réaliser que c'est toi qui es dans cette maison. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on nous retrouvons dans toujours 1 Samuel, mais à partir du chapitre 17, qu'est-ce qui va se passer? Les Philistins vont s'emparer d'Israël. C'est-à-dire ils vont entrer en Israël, ils vont essayer de détruire le peuple de Dieu. Et un homme va se présenter que vous connaissez, Goliath. Cet homme va se présenter pour détruire, terroriser Israël. Personne ne pouvait s'opposer à lui, même pas Saül le roi. Personne. Et pendant que David était chez lui, son père va lui envoyer en mission. Son père va lui dire, écoute, emmène à manger à tes frères qui sont en train de se préparer pour la guerre. David va prendre ses faits et il va partir. Et lorsqu'il va arriver, il va voir un géant qui se présente devant Israël. Il va commencer à se moquer d'Israël, qui va commencer à insulter Israël, qui va commencer à dire des choses mauvaises sur Israël. Vous savez, parfois dans la vie, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dénigrer, des personnes qui peuvent vous insulter, des personnes qui peuvent se moquer de vous. Vous avez parfois des combats difficiles que vous n'arrivez pas à maîtriser. Parfois vous êtes faible, vous n'arrivez plus à prier. Parce que le combat est tellement grand, le combat est tellement géant que vous n'arrivez pas. Mais j'aimerais dire quelque chose ce soir. Même si le combat se présente à toi, toi ne recule pas. Tu ne m'as pas compris. Je disais même si le combat se présente à toi, toi ne recule pas. N'abandonne pas. Parce que derrière ce combat, quelque chose se prépare. Et il va arriver, il va commencer à dire des choses mauvaises sur Israël. Et David va se pointer et dira, qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis qui insulte le peuple de Dieu?
Et les gens vont lui dire, cet homme s'appelle Goliath. C'est un homme qui a été formé pour la guerre. C'est un guerrier. Un homme fort, puissant. Alléluia. Mais ce qu'Israël avait oublié, c'est qu'il avait un Dieu. Ce qu'Israël avait oublié, c'est qu'il avait... Vous savez pourquoi il a oublié? Parce que c'est Israël eux-mêmes qui ont rejeté Dieu. Tu ne m'as pas compris. Je disais, Israël a oublié qu'il avait un Dieu. Parce que lui-même avait rejeté le Seigneur. Mais un homme va se présenter, David. Qui va dire, aujourd'hui. Il parle, il dit, aujourd'hui. Ta tête sera coupée. Nous sommes dans une génération où tu dois avoir ce qu'on appelle l'audace de parler au problème, de prophétiser sur le problème. J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. J'ai l'impression que c'est trop haut pour toi. Tu dois monter dans une dimension où lorsque le problème se pointe devant toi, tu parles au problème. Tu dis problème, aujourd'hui tu vas t'arrêter. Tu dis problème aujourd'hui, tu vas m'ouvrir une porte et j'entrerai. Une génération qui prophétise. Écoutez, la Bible déclare, lorsque vous lisez le livre de Joël, Joël 2 à partir du 28e verset, la Bible nous dit quoi? Pour les lecteurs de la Bible. Dans les derniers jours, je, mon esprit sur vos fils et vos filles, vos fils et vos prix prophétiseront. C'est-à-dire nous sommes dans une génération où l'onction prophétique nous est donnée. Oh, j'ai l'impression que tu ne crois même pas à l'onction prophétique. Écoutez, lorsque nous lisons acte 2, la Bible déclare qu'il y a eu un tout à coup, n'est-ce pas? Il y a eu un tremblement. Et par ce tremblement, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu. La Bible déclare qu'il y a eu une langue semblable aux langues de feu, n'est-ce pas? Apparu et furent tous remplis de l'Esprit de Dieu. Tu es dans cette génération et cette génération nous avons ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu et ayant l'Esprit de Dieu nous avons tout le pouvoir. Je disais ayant l'Esprit de Dieu nous avons tout le pouvoir et parfois nous ne nous rendons même pas compte de ce pouvoir que Dieu nous a donné. Christ dira une chose. Tout pouvoir m'a été et je vous donne ce pouvoir. Tel que tu es là, dans cette génération, Christ t'a donné le pouvoir. Et avec ce pouvoir, jeune fille, jeune homme, que fais-tu avec ce pouvoir? Que fais-tu avec ce pouvoir? Lorsque tu traverses des moments difficiles, quel est ton langage? Quelle est ta façon de regarder les problèmes? Et nous voulons faire comme Israël qui a oublié qu'il avait un Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis parfois nous faisons comme Israël. Nous oublions que nous avons. Oh my God. Lorsque tu te souviens que tu as un Dieu, c'est alors que ton esprit change. Ta conception change. Les problèmes ne deviennent plus problèmes. Mais ce problème devient une occasion pour toi pour monter. Écoutez, à chaque fois que Dieu voudra te présenter devant les hommes, devant les magistrats, devant les hommes hauts de ce monde, il faut que devant toi se place un problème. Tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Il faut qu'il y ait un problème devant toi. Dieu se sert toujours des problèmes pour montrer qu'il est Dieu. Si dans ta vie chrétienne, tu ne rencontres pas de problèmes, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'en réalité, soit tu es avec Dieu, soit tu es de l'autre côté. Alléluia. Il faut qu'il y ait des... Aide-moi à dire à ton voisin, il faut que tu aies des problèmes. Dis-le encore plus fort, il faut que tu aies des problèmes.
Même si tu ne veux pas, les problèmes viendront. Alléluia. J'aimerais nous dire une chose. J'aime. Les problèmes, ce sont des escaliers. Les problèmes, ce sont des escaliers. Je disais, les problèmes, ce sont des escaliers. Les problèmes, ce sont des escaliers. Là où Dieu est en train de t'amener, tu dois monter les escaliers. Tu dois monter les escaliers. Si tu es en train de descendre les escaliers, c'est que tu ne vas pas vers Dieu. Mais tu dois monter les escaliers pour aller à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes dans une génération qui se cache. Je disais une génération qui se cache. Mais lorsque les problèmes arrivent, cette génération monte les escaliers. Cette génération monte les escaliers. Parce que Dieu est en train de présenter cette génération. Écoutez, je vais lire un peu ce passage avant de terminer. Et David va se présenter à Saül. Parce que David dira, il disait, aujourd'hui, la tête de cet homme-là, vous allez le voir partir. Et Saül, bizarrement, va commencer à parler avec David. En disant, mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui est cet enfant? Attendez. Comment se fait-il? Lorsque nous avons lu dans 1 Samuel 16, on nous dit que David était dans la maison du roi. Et lorsque le roi était malade, il ne se sentait pas bien. Les mauvais esprits étant lui, David jouait et les esprits partaient. Et là, il y a la guerre. Quelqu'un se présente. David vient auprès du roi. Le roi ne se souvient plus de David. Oh! J'ai l'impression que tu ne me comprends pas, my God! Hey, écoutez, nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes un peuple prophétique. Le roi ne va plus se souvenir de David. Mais c'est là l'occasion pour David de démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Et David va dire, je vais tuer cette personne. Et le roi va dire, mais tu es un enfant. Tu es un enfant, tu ne pourras pas. Lui c'est un guerrier, toi tu es un enfant. Lui il a été formé à la bataille. Dès son enfance. Dès son enfance, c'est ce qu'il a appris. On ne lui a pas appris autre chose que la bataille. C'est un guerrier. Mais toi, tu es un enfant. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? J'aime cette histoire. Le roi va dire à David, écoute, comme toi tu vas aller à la bataille, il n'y a pas de souci. Mais prends mon armure et porte mon armure. Prends mon épée, porte mon épée et va à la bataille. David va prendre l'armure de Saül. Va prendre l'épée de Saül. Il fait une marche. Deux. Trois. Un. C'est trop lourd ça. Il dit, mais c'est trop lourd. Il va enlever l'armure. Il dit, non, je ne peux pas porter cette armure. Prophétiquement, qu'est-ce que nous pouvons voir? Quand Dieu te oint, Dieu ne peut pas te permettre de porter une autre onction que son onction. Tu ne peux pas travailler avec une autre onction que l'onction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque Dieu te voit pour conquérir quelque chose, tu ne peux pas porter une autre onction que son onction. David a compris cela. Il dit non, je ne peux pas porter ton armure. Je ne peux pas porter ton épée. Parce que j'ai reçu quelque chose de pur. J'ai reçu quelque chose de Dieu. Pourquoi? Parce que toi tu as été rejeté. Parce que Saül a été rejeté, alors que son armure était aussi rejetée. Dieu ne peut pas porter quelque chose de sué. Voilà pourquoi cette jeunesse n'arrive pas à avancer. Parce que nous sommes dans le mélange.
quelqu'un ne me comprend pas. Je disais, voilà pourquoi cette jeunesse n'arrive pas à avancer. Parce que nous sommes dans le mélange. Tantôt nous prêchons la parole de Dieu, mais partout, tantôt nous sommes dans la masturbation. Tantôt nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes dans le copinage. Nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes dans le péché. L'onction de Dieu est pure. Il n'y a pas de mélange. J'aimerais parler à cette génération. Si tu vis encore dans le péché, sors de ce péché. Et l'onction que tu portes dans ta vie sera une onction pure. Pourquoi? Parce que quand Dieu appelle une personne, Dieu donne directement et automatiquement. Comment je peux dire ça? Comment je peux le dire? Comment je peux m'exprimer? Comment je peux te le dire? Je peux le dire. Seigneur, aide-moi. Quand Dieu appelle une personne, quand Dieu voit une personne, Dieu voit, voilà. Dieu voit là où la personne va aller. N'est-ce pas? Dieu sait où la personne va arriver. Et pour que tu arrives à l'endroit où Dieu te veut, l'onction que tu portes, la grâce que tu portes, les talents que tu portes, ce sont ces choses-là qui vont en fait t'introduire là où Dieu te veut. Si tu mélanges avec le péché, si tu mélanges avec les mauvaises choses, tu n'arriveras jamais là où Dieu t'attend. Si David avait porté l'armure de Saül, Goliath allait tuer David. Je disais, si David avait porté l'armure de Saül, Goliath allait tuer David. Pourquoi? Parce que avec l'onction qui était sur Saül, l'onction de Saül n'allait pas tuer Goliath. Mais l'onction de Dieu dans la vie de David, c'est ce qui a permis à David de tuer Goliath. Alléluia. Mais j'aime quelque chose. J'aime quelque chose. C'est-à-dire, Goliath va dire une chose qui m'a révolté. Qui m'a révolté. Voilà même le centre de mon message. Il dira, aujourd'hui même, je vous défie. Il dit, aujourd'hui même, je vous défie. Goliath a défié le peuple de Dieu. Et tout à l'heure, je disais, nous sommes dans une génération où nous avons beaucoup de défis. Le monde nous attend parce que le monde nous a pointé du doigt en disant, vous ne me gagnerez jamais. Les hommes de ce monde qui sont encore dehors, qui ne prient pas, qui sont dans des francs-maçonneries, qui sont dans des choses mauvaises de ce monde, qui sont dans la magie, ne croient pas que la parole de Dieu peut transformer, changer leur vie. C'est un défi. De la même façon que Goliath a défié le peuple de Dieu, et quelqu'un a répondu en disant, aujourd'hui ta tête sera par terre. Et nous voulons dire aussi, étant jeunes, nous voulons nous lever en disant, à cause de ce défi, nous voulons relever ce défi et dire à cette génération, nous allons gagner des âmes. Dire à cette génération, nous allons prêcher la parole de Dieu. Dire à cette génération, nous allons dire la vérité. Dire à cette génération, nous ne reculerons pas. Dire à cette génération, nous avons Dieu comme Seigneur. Dire à cette génération, nous avons cru en Yeshua Mashiach. Nous avons cru à la parole de Dieu, et cette parole nous rend capables d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Est-ce que je parle à la jeunesse ce soir? Est-ce que je parle à la jeunesse ce soir? Je disais, nous avons un défi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux dire avec moi, j'ai un défi à relever. 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 L'onction de Dieu m'a oua pour conquérir. L'onction de Dieu m'a oua pour conquérir. Rabashaka mando proste de kata reboshaka. Là où tu es, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. Prie, 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 prie. Roboshake ne bobo bobo bo. Robosantara baba 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 baba. Rabashaka mando pro. Limokoto robosa
Prie avec moi. Dis, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose en moi. J'ai quelque chose en moi. Dis avec moi, j'ai quelque chose en moi. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai quelque chose en moi? Dis-le encore plus fort, j'ai quelque chose en moi. J'ai quelque chose en moi. L'Esprit de Dieu m'a voix. L'Esprit de Dieu m'a voix. Pour conquérir. Pour conquérir. Les chantres pouvaient venir. Pouvaient venir. Nous voulons travailler pendant 5 minutes.